Salut à tous, c'est Crodo et on se retrouve pour une nouvelle ouverture. Et aujourd'hui, je tente un truc. J'ai pris 10 boosters en random dans une display de presse. Est-ce qu'on va avoir de la chance ou pas? Je l'avais faite sur Evolution Impaldea. Ça m'avait porté une chance, mais incroyable, parce que j'avais tiré Machine et le Magikarp. Est-ce que là, je vais retaper une alternative dedans? Booster de presse, on tente le coup. Il y en a 10. Ça fait une belle petite ouverture. Hop. Est-ce que la dame m'a bien servi ou pas? Parce que c'est une dame très honnête qui laisse pas les gens poser les boosters. Donc ça, c'est cool. Hop. Elle m'a dit, vous pouvez, je vous en donne 10, mais c'est moi qui les choisis. Vous mettez pas la main dans le display. Je fais d'accord, prenez-les, choisissez pour moi. Donc est-ce que la main de la dame a été chanceuse ou pas? On va savoir ça de suite avec Paracool. Bon, pareil, cool. Zébibron, Flotillon, Solochi, Fenard. En sachant que je crois de mémoire sur Écarlate et Violet, c'est pas pesable les boosters. Latios. On a Kaimorph. Le petit Crocogrill en reverse. Et on commence avec Flamigator en holo. Pour ceux qui sont dans le game du pesage de boosters, s'il y en a qui passent par là, qui ont la réponse, mais je crois que de mémoire, on m'avait dit que c'était pas pesable. Bon, que depuis Écarlate et Violet, ce n'était plus pesable. Ce qui est très très cool, parce que bon, peser, c'est tricher. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Verpomme, Archéomyr, Gripat, Neuneuf, Mystigrix, on a Famignolle, Victini, Sinistreil, Dialga et Déméteros en holo. Bon, pour l'instant, ça commence très mal, mais au moins si j'ai rien sur les 10 boosters, ça prouvera ma bonne foi. Tac. Allez. Le code online, ça, c'est pour vous. Et on commence avec Crocogrill, Lépidonil, Plumeline, Mangriffe. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu flou. Floatmèche. Capsule technique. Oui, messire. Oh! Amulette d'espoir. Non, de l'espoir. En carte high-tech. Très, très joli. Eternatus en reverse. Et un Zarude en holo. Hop. Franchement, la high-tech, c'est quelque chose. J'adore les cartes high-tech. On va mettre juste là. Donc, premier hit sur ces 10 boosters. Allez. Pour l'instant, on est à 3 boosters. Là, c'est le quatrième. Hop. Est-ce qu'on va avoir quelque chose ou pas? Ce serait bien d'avoir un gros hit, genre une foulard, tout mer. Le petit Tobali. Topicœur. Charbonbin. Minotaupe. On a Altaria. Le Rattrape-Riposte. Boumata. Azumarill en reverse. Charbonbin en reverse et tout en cafard en holo. Hop. Voilà, c'est du booster de presse, hein, c'est pris en random dans une display. Est-ce qu'on va avoir quelque chose ou pas? On va avoir quelque chose d'autre que la high-tech. Hop. Si je peux au moins sortir 3 hits, ce serait cool. Ce serait très très cool au vu du nombre de boosters et au vu du ratio des séries. Avoir 3 hits sur 10 boosters pris comme ça en random, ce serait vraiment pas dégueu. Et une holo de Beraska. Il nous reste quoi? Il nous reste 5 boosters. Bon. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bon, après voilà, comme je vous l'ai dit, hein, c'est du booster pris comme ça en random. Hein, c'est pris en loose dans une display de tabac. Hop. Donc, Zapetrel, ça se trouve, les gens qui ont pris des boosters avant ont pris les boosters où il y avait les hits. Parce que je crois qu'il en restait une vingtaine. Hop, donc là, il y a Tauros de Paldea, Charme d'Atalante, le petit Spododo en reverse. Et c'est Balbalaise en Balbalaise AR, tout simplement. Qu'est-ce que je cherche des mots? Balbalaise en AR. Hop. Et Tocorico, du coup. Qui est très joli. J'aime beaucoup
J'aime beaucoup le style. Tocorico, du coup, en eau, qui est très stylé. Voilà, deuxième hit avec ce balbalaise de Jerky. Hop, alors si je tabasse la table, ça va pas le faire. J'aime beaucoup la carte, elle est très très jolie. On attaque du coup ce booster. Allez. Bon, pour l'instant, on est pas mal. Bon, désolé, j'ai dû encore couper parce que j'ai mon chat qui tabassait la porte. Voilà, à chaque fois que je vais faire des vidéos, il y a toujours le chat qui vient demander de l'attention, alors que quand je suis dans le salon, il n'y en a strictement rien à faire de ma personne. Mais dès que je veux faire quelque chose, il faut toujours qu'il vienne. Allez, on y go avec Togepi, Marill, Duralugon, Cracnoa, on a Siano, Miraidon, Pomdrapi, Motisma en reverse, Archéodong en reverse et Tritosaur en holo. Et il reste trois boosters, hein. Trois boosters. Est-ce qu'on va avoir quelque chose dedans ou pas? Est-ce qu'on va avoir quelque chose dedans ou pas? Ce serait cool d'avoir un dernier hit. Avoir un dernier hit, ce serait cool. Ce serait vraiment très très cool. Allez, on y go. Le code online, ça, c'est pour vous. Et on commence avec Motisma, Diamat, le Bacabou, les boulets roux, Magneton, note d'ingérence, Chongjian, Plumeline en reverse, Victini en reverse, et ben voilà. Et Latias du coup en carte ex. Ça c'est beau ça. J'aime beaucoup la carte. La carte est vraiment très très belle. La carte rend vraiment très bien. Le Pokémon est très très beau. Et ben voilà, troisième hit. Allez, il reste encore deux boosters. On a les trois hits que je voulais. Tac. Alors, si je prends plus de cartes qu'il ne faut, ça va pas le faire. Le code online, ça c'est pour vous. Allez, on est à 3 hits. C'est ce que je voulais. Maintenant, le reste, c'est que du bonus. Et on y go avec Topicœur, Spododo, Archéomyr, Plumeline, Tac-Tag, on a Palmaval, Sonnette d'appel, Exagèle en reverse, Germéclat en reverse et Eternatus en holo, qu'on va mettre juste ici. Dernier booster. Allez, hop. Ça va là-bas. Et on y go. Ça, c'est pour vous. Dernier booster. Est-ce qu'on va réavoir quelque chose ou pas? C'est parti. Marill. Zeblitz. Lépidonie. Alors, ensuite, on a Goupix. Irido. Miraidon. Sonnette d'appel. Crefolet en reverse. Babiri. Et on finira sur un Terrapagos en holo pour cette ouverture que j'aime vraiment beaucoup. Très belle carte. Bon, sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!